Salut à tous, c'est Cocor. Et salut tout le monde. C'est Super Brioche, si vous, Oula, oh. au cas où vous ne l'auriez pas reconnu. Je suis dans mon truc. Et je vous retrouve, même s'il n'y a pas grand monde, pour la suite du live sur le playthrough de The Legend of Zelda. On va essayer de terminer le jeu une bonne fois pour toutes. Ça fait un moment que j'avais pas fait de live. Je pense que c'est dû principalement au fait que je faisais mes lives le vendredi soir et que maintenant le vendredi soir il y a Koh-Lanta. Donc ça sera peut-être les mardis soirs, étant donné que le mercredi en théorie la plupart du public risque de ne pas bosser. Non, Donc en on va même faire. temps, le vendredi matin, enfin, Koh-Lanta, c'est bientôt fini, non? Oh, bon, il reste encore pas mal de candidats éliminés, je crois, avant qu'on soit sur la fin. Donc il y a peut-être bien, on est peut-être parti pour encore de bons mois, je pense. Ah ouais, je pensais pas à ce point. Je crois qu'ils étaient encore 8 ou un truc comme ça. Voilà. Donc on va reprendre le playthrough où on l'avait laissé. Donc du coup j'ai regardé un petit peu les dernières vidéos. J'ai regardé un peu ma sauvegarde où elle en était. J'ai vu que j'avais une sauvegarde avec 3 cœurs. Donc du coup je suis allé farmer des cœurs juste avant de faire ce live. Et on va reprendre. Je crois qu'on en était au dernier donjon. Si tu me confirmes bien que les ruines 9 c'est bien le tout dernier donjon qui nous en Il me cache semble pas. bien, ouais. Qui nous en cache pas un autre derrière. Il me semble bien que c'est ça. Ok, donc on va changer de scène, on va venir sur le jeu en lui-même. Je suis pas passé par le menu principal, j'ai gardé ma sauvegarde histoire d'éviter tout le trajet. On va essayer de taper une musique en boucle pendant un bon petit moment. C'est parti. C'est ça. Bah ouais, enfin non, toi tu peux pas me faire le rendu sur l'équilibre du son, mais j'ai fait quelques essais avant, donc j'espère que ça vous cassera pas les oreilles. Sinon vous pourrez toujours baisser le son au début. Et ben, donc j'étais dans les ruines 9. J'avais, je crois, juste en fin de session, on avait fait un petit tour de salle. On avait tourné sur une espèce de boucle. Ah ouais, sur la map on voit. Mais je pense, du coup, vu qu'il n'y a pas d'autre intersection, je soupçonnais qu'il y ait une salle cachée, soit sur les côtés, soit sur le milieu. Donc on essaiera de péter, placer des bombes un peu dans cette direction. Et voilà, on va essayer d'avancer, quoi. Ouais. Parti. Du coup, on est censé sauver Zelda dans cet épisode. Je sais même plus quel est le scénario, à vrai dire. Je sais même plus comment commence le jeu. Enfin, je crois que le jeu commence par. Ouais, c'est ça. Je crois que l'intro elle est plus dans le. On va dire dans le. Comment dire? Sur l'écran de titre. Voilà, sur l'écran de titre du jeu, là il y a une coupure, c'est normal. Alors. Là, ça va être galère. Ah bah il me touche en plus. Ok. Moi je peux pas leur faire de dégâts quand je suis dans la porte, mais eux, ils peuvent. Alors voilà, ça commence très mal déjà. Je m'en prends Ils font mal, dans celui-là. tous les sens. Ouais, puis il faut leur mettre plein de coups. Ils se TP, ils foncent dessus. Donc je crois qu'il y aura beaucoup il y aura beaucoup d'allers-retours pour gagner des cœurs ou beaucoup de chargements, je sais pas, parce que charger à chaque salle ça va être galère sinon. Donc au pire si on trouve rien, enfin qu'on progresse pas, on chargera la partie. Oh, tout ça pour un rubis. Ouh. Voilà le rubis à la rigueur, on pourrait s'en passer. Et rien. Oh putain. Ah, les salles Il sont me trop bien. reste déjà un cœur quoi. Donc là c'était un bon moment pour faire un petit chargement. Voilà. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va complètement skipper la première salle et on va aller directement dans la deuxième. Non, parce qu'elle sert à rien du tout. Hein. Ah non, il y a même deux salles à skipper. Encore que sur cela on peut avoir des objets et sans prendre de dégâts si on gère bien. Il me semble pas que les boules blanches passent à travers les trucs de lave. Alors que mes tirs, si. Non, il passe pas. Ouais. Ils vont rien me looter. Ah bah, très utile. Donc, moi, je suis surpassé tranquille. Tu te fais avoir par les boboules, attention. Alors Mais là. on peut pas les tuer, on n'avait pas trouvé un moyen de les tuer, ces trucs. Ah, par contre, faut pas qu'ils me foncent dessus. Bah, si, il faut leur mettre plusieurs coups d'épée, quoi. Allez, allez, Les espèce de boboules. popcorn. Je sais pas, moi, j'ai jamais trouvé personnellement. Ouais, je sais pas. Bon, les ont spammés comme des bœufs. Essayer de les avoir à distance, mais le problème c'est qu'il Ouais, y en a voilà, tellement à faut. surveiller, bah voilà. Ah, encore que là je perds qu'un demi.
Je perds qu'un demi-cœur, donc voilà, bah là j'ai perdu mon autre cœur. Le problème c'est qu'en plus tu sais jamais vers quel sens ils sont tournés étant donné qu'il y a le même sprite pour deux directions différentes. Enfin pour à droite Ouais. et vers le bas c'est exactement la même image. Économie. Ah, c'est d'époque, hein. Voilà, puis on va pas se faire chier. Vas-y. Je crois que les fantômes ils craignent pas, j'ai essayé tout à l'heure. Ça ne faisait pas trop d'effet. Bon ben j'aurais pas récupéré mon cœur, c'est dommage. T'avais récupéré tout le stuff possible, non? Enfin, genre Je crois la qu'on tunique. a. Je crois qu'on a la meilleure épée, la meilleure armure. Ouais. Ah bah Je crois tiens. qu'on avait quand même abandonné l'idée du bouclier. Je crois que le bouclier, j'en avais acheté un et que je l'avais perdu, mais après, Ouais. à moins qu'il y en ait un autre secret qu'on trouve quelque part. Non, ça me dit rien, ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'inspire pas. Ça a l'air de prendre les flèches en tout cas. Là, je crois que t'as trouvé la suite. Ouais. Ça marche bien avec les flèches, ça. Ouais, je vais pas trop passer. Oh merci. Ça tombe bien ça. D'ailleurs. J'ai passé un trop gros décalage du coup pour toi. Oh, pas trop, non, mais je fais avec. Ok. Alors, un souterrain avec des chauves-souris pour changer. Hein. Recyclage! J'aime bien la fausse 2D, la fausse 3D, enfin, c'est bizarre. Oula, je crois que je suis bien plus haut là. Ah bah, ouais. S'il y a que des. Je sais pas comment ça s'appelle, des like-like ces machins là. Ah, si, c'est ça, c'est des like-like. C'est des pouces verts! N'hésitez pas à mettre plein de like-like sur cette vidéo quand vous la regarderez en rediffusion sur YouTube. Ouais, tu peux, si tu mets un double like, ça annule pas le premier like. Ah oui, c'est vrai que maintenant tu peux dire ah, finalement je n'aime plus ou un truc comme ça. Je crois que tu peux annuler les pouces verts maintenant, j'ai découvert ça il y a quelques jours. Alors j'ai une clé où je peux aller directement en bas. On va aller voir en bas d'abord. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait sinon? Bah faut aller à la droite quoi. Mais il y avait une autre porte en bas il me semble. Et là, il y a une porte à droite. Surprise. Oh, ouais, je crois qu'on va aller en bas, hein, c'était mieux. Tant qu'on a encore nos cœurs, on va essayer de les garder un moment. Ah, par contre, je vais avoir besoin de la lampe. Je me suis mis la soluce sous les yeux au cas où. Hein. Ok. Parce que bon, ouais, ça va pas tourner pendant 107 ans. Hein. Je pense que le souci, ça va plus être les ennemis, en fait. Enfin, bon, pourrait toujours y avoir une énigme chiante. Ouais, ouais, au cas où. Ça n'empêche pas. Mais j'aime bien les salles comme ça là, parce que finalement eux ils sont vachement désavantagés. J'arrive pas à passer. Nous on est tranquille sur notre échelle s'il faut. Voilà. Est-ce qu'on. Ah j'aurais pas dû prendre la bombe tout de suite et tester une bombe à gauche et à droite, mais je vais tester quand même. Ça donne combien les bombes déjà à chaque fois? Je pense que c'est 4. Oui, bien sûr. Brûle. Ça marche pas bien. Brûle le mur. Là y'a rien. Je me fais chier à faire un tour pour rien aussi. Ah bah tiens. Allez, on va aller voir ça d'abord. Ouh, des gouttes. Oh. Et une bombe. Donc là, bah, il y a le choix là. T'as combien de clés? 5. Okay. J'en avais récupéré une, je crois, dans les premières salles, parce que j'avais commencé le donjon avec 5 clés. Après, je sais pas dans le jeu s'il y a le compte ou si tu peux en avoir plus. Je pense qu'il y en a chaque... plus. Ouais, parce que tu peux en acheter déjà de ouais, base. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc tu dois en avoir volontairement plus. Mm-mm. Après, combien j'en ai de plus? C'est l'anti-bug, quoi. C'est que voulu. Astuce, garder son épée chargée, enfin, tous ses cœurs juste pour pouvoir taper comme ça. Ouais. C'est le meilleur. Hein. Ce qu'on va faire. Pas tester des bombes là aussi, bah à droite ça servait à rien vu qu'on a déjà trouvé la salle carrée. Ouais. Par contre là c'est le bouquin et la bague, je sais pas du tout comment on s'en sert. Bah la bague c'est un effet permanent je crois, c'est ça qui te fait que t'as la tunique blanche. Ouais, mais bah, par contre c'est le bouquin, ouais, je sais pas. Là, je me souviens plus. Comment il s'utilise, à quoi il sert, ce qu'il fait, si c'est passif, si c'est actif. À droite, on avait dit que j'avais déjà trouvé la salle, donc en théorie y a pas d'intérêt.
vais regarder si le bouclier sert à quelque chose. Bon, je pense que Blablabla. oui, quand Oui, il sert forcément à quelque chose, c'est pas juste pour caler un meuble, mais même. histoire de savoir quand même. Équipement et objet. Je me mets bien à l'autre bout de la salle pour le faire, j'ose pas avancer. Alors, je te confirme que t'as l'épée la plus puissante, attends que je suis dessus. Bon, on va regarder ce qui s'est ouvert. Hein. Mais il manque encore quelques objets. Ah, il y a un anneau rouge. Les yeux du crâne ont un secret. Ouais, ok. Bah, je vais aller à gauche. Les yeux du crâne ont un secret. Ça se trouve, c'est le truc qui est même pas dans le donjon, ça c'est sur la map. Bon, ça paraît très bizarre si c'est. Ouais, mais j'ai déjà une astuce dans un donjon qui concerne la map du monde. Ouais, peut-être, mais là, si t'es dans le dernier donjon, t'es pas censé retourner sur la map vraiment. Oui. C'est pas faux. Alors, livre magique combiné avec la baguette magique, il rend celui-ci plus puissant. Celle-ci plus puissante. Et qui rend quoi plus puissante? La baguette magique. Tu as une baguette magique? J'ai une flûte. Mais tu vois, j'ai des cases vides, donc facilement, il manque des choses. Il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être quelque chose aussi entre l'échelle et l'espèce de croissant. Là. Baguette magique sert à combattre certains ennemis comme les Wizwobs, cachés dans le donjon 6. On l'a raté. Voilà. Alors, par contre, tu vois, j'ai une porte en bas qui se déclenche après avoir fait quelque chose, mais, je pourrais faire de spécial. Alors, je vais ah, c'est vrai que c'est bizarre. Alors, c'est peut-être un sens unique aussi, tout simplement. C'est vrai. Bon, on va aller voir de l'autre côté, du coup. Oui. Je sais. On nous a déjà prévenus. Bon, allez, on va regarder en dessous. Et il me reste plus qu'une clé. Bon, ça a pas l'air bien méchant de ce côté. En fait, c'est dès qu'il y a des fantômes que. Ouais, c'est le, leur sinon, là, côté. Là c'est, là, c'est plutôt gentillet, là. Ouais. Mais surtout quand ils t'en mettent une dizaine, tu te mitrailles dans tous les sens. Bah allez, bombe. Bon, un peu trop, peut-être. Oh bah, ok. Ça passe. Ah, est-ce qu'on n'est pas en dessous de la fameuse salle où. Si, il me semble. Ouh là là, c'est bizarre ça. Oula, oui. Ça m'a fait peur. Mais bon, c'est peut-être nécessaire, quoi. Bah, ça nous débloque peut-être le chemin si on peut faire un genre de raccourci. Voilà. De pouvoir taper des petites. Alors peut-être que quand ils sont comme ça, ça veut dire qu'ils sont bien dans mon sens et ouais, je sais pas là si je peux. Les petites mouches. Ou alors peut-être que ça le touche quand même hein, quand ça fait chping. Aïe. Bon bah là. Il y a peut-être une arme plus que l'autre. Ou au pire, je bourrine. Ah non, c'est moi en fait qui prenait des dégâts. Ouais, pense. C'est toi, tu. Il prend rien, j'ai l'impression. Bizarre, ah, bizarre. Ah non, j'ai cru que t'avais. Ah, genre le. Ah, j'ai éliminé. Si, une t'as mouche. Fait une mouche. D'accord, bah c'est ça que je devais éliminer en fait, putain. Voilà. Ah la galère. Bon, par contre, j'ai perdu 10 coeurs pour savoir ça. Putain, j'ose pas avancer. Fais-moi la maline là. C'est une mouche. Et ça n'ouvre rien. Ah bah c'était nécessaire ça. On est refait. Ah par contre on peut aller en haut. Non, c'est même une salle plus bas que ce que je pensais. On va aller voir quand même là. Ok. Bon, on va regarder là-bas. Ah oui, ça a ouvert la salle de haut. J'avais même pas fait gaffe si elle était ouverte ou fermée au début. Non, je crois que c'était déjà ouvert. Ah ok. Wouah. Voilà, ils vont vite les snakes là. Speedek. Oh la ouais, perception. Il peut y avoir des salles à gauche. À droite, on connaît déjà. Bon, oh, allez, on va quand même en mettre une. Raccourci, cas où. Et là, c'est la fameuse salle. Voilà, tu vois, on est. Ouais, c'est ça. Rôle de logique. Un... Ouais, ça... Non, mais c'est un sens unique, ok. Bah là en même temps on est... Non. On est peut-être arrivé par des raccourcis donc peut-être ou des passes ou genre une clé ou un truc comme ça donc peut-être pour ça que on a pu passer dans l'autre sens.
Donc, on va regarder un petit peu le plan. Est-ce qu'il y avait des salles en bas et à droite de la nouvelle salle où je vais? Il y avait une salle à droite, on va aller voir. Dernière clé. Voilà, j'en ai plus. Ah bah, très utile cette dernière clé. J'espère qu'il va pas falloir en racheter quand même. J'ai jamais eu à le faire jusqu'à maintenant. Moi, je pense pas. Je pense que les ennemis ont tendance à lâcher des clés. Ah, peut-être, ouais. Bon, on peut essayer d'aller en bas, sinon on essaiera d'aller un peu plus à droite. D'ailleurs, un ennemi a repop. Est-ce qu'à tout hasard? Non. Je crois que c'est en haut que tu dois aller. Bah, je voulais voir quand même ce qu'il y avait en bas, vu que j'avais pas exploré la salle. On sait Voilà, ça jamais. doit rejoindre la boucle. Ouais, je pense. Attention. Mais si jamais il y a moyen de trouver une clé, hein. Ouais. J'aime pas Ouais. trop les chauves-souris. Bon, c'est pas les plus chiants. Hein. Ah, oui. On peut essayer de débloquer un raccourci éventuellement. Bon, même on peut essayer aussi à droite et à gauche. Hein. Ouais, tant qu'à faire. On peut que ce soit la suite du donjon et pas un raccourci, quoi. Et je pense qu'il n'y aura rien. Ah, si. Eh ben, quand même pouvoir passer. Il me reste 6 bombes. Des gougouttes apparemment. Ok. Peut-être moyen de récupérer quelque chose. Une clé, ça serait bien, ou peut-être une fée, pourquoi pas. Là. Ouais. D'ailleurs, il y a une porte fermée en haut et je pense. Je pense pas qu'elle soit Ah, utile, la porte fermée. c'est la salle où on pouvait pas aller en bas, mais est-ce qu'il y avait quelque chose sur la plateforme du bas? Non, il n'y avait rien du tout. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose une fois que justement on passe par la porte? Ça Ça peut être un m'étonnerait. truc comme ça, mais bon. Bah, ça serait dommage qu'il faille utiliser une clé pour finalement se retrouver dans un cul-de-sac. En fait, ça peut être Ouais, c'est un piège pas exprès, quoi. impossible. Si le donjon est fait exprès pour tout dépenser et devoir refarmer derrière. Ce qui serait pas très tip-top pour le live, mais bon. On va essayer d'aller en haut et à droite. Tiens, on va tuer Normalement, il reste les plus que ce BX. chemin. Sauf chemin caché, mais en théorie, on a essayé tous les murs. Hein. Ouais. Ok. Ah là, c'était des fantômes. Il me reste 5 coeurs. On va déjà mettre de la lumière, parce que ça se trouve, je vais pas pouvoir marcher de partout. Tu peux pas les stopper avec le boomerang? Je sais pas. Nous, ouais, allez, c'est ouvert. Donc à faire. Alors, oh là. Attends, on va attendre qu'elle reparte de bien à droite. Ouais. Faudrait que je teste le boomerang aussi à la rigueur sur celui-là. Ça fait de la résistance. Alors c'est bon, là il part sur la droite, ça m'arrange. Par contre là il revient, faudrait qu'il donne une petite impulsion. Oula, mais ça passe. Ça fait Ça passe de l'autre côté. ça se la joue à la Mario, tu Ouais. sais. Je suis trop à droite de l'écran, pas grave, je vais à gauche, il y a de la À place. gauche. Oui. Non, si en plus ça pouvait le tuer définitivement, ça serait bien. Attends, j'ai réussi à me faufiler là. Je sais même pas si l'arc ça marcherait. Non. Ils ont décidé que ça serait chiant. Oh là là. C'est dur d'évaluer la distance à laquelle il faut se placer. Ouais. Wow, ben là. Oh, ça là. Bon, bah au pire, je crois qu'on va faire directement, vu qu'on a bien avancé, je crois qu'on va faire directement un tour vers la fontaine des fées. Hein. On va pas s'embêter, on va juste faire une sauvegarde ici. Et on va faire un petit tour à la fontaine.
En espérant qu'on n'ait pas trop en faire beaucoup ou que je meurs pas sur le chemin. au pire, si je meurs, je serai réinitialisé à l'entrée. À l'entrée du jeu, si je puis dire. Donc ça sera peut-être pas plus mal en fait. Si je me prends pas un rocher sur le chemin. Moi ça va, j'ai pas la musique. faudrait que je règle le délai du micro, ça éviterait que pendant le live je chante en canon. Ah putain, il fait un super canon, il garde bien le timing. Non, il y a juste de la latence. Tu vois que je vais crever devant la fontaine. Oh, petite bombe. Et vas-y, passer par là. Scorn Mario. C'est ça. Recyclage. Putain, j'ai fait un super bon temps. J'ai fait le speedrun de Mario. Je m'attendais à ce qu'elle me parle à la fin, je sais pas pourquoi j'attendais. Alors maintenant, le tout c'est de revenir sans perte de vie. Sans perte de cœur, ouais. Voilà, alors on peut en perdre un et récupérer sur le chemin, mais c'est déjà plus tendu. Mais ça peut se faire, c'est comme ça que j'ai fait tout à l'heure. J'ai eu une fée juste au dernier ennemi. Voilà, putain. Bim. Heureusement, ça enlève un quart de cœur qui ne se voit pas. Et qui, du coup, ne m'enlève pas le pouvoir. C'est pratique. Merci, l'armure. Merci à la mémoire insuffisante de la machine pour faire des cœurs de cœur. Non, pour afficher les cœurs de cœur, parce qu'elle les retire. Malgré tout. Ah, j'aurais peut-être dû voir pour acheter une clé à la rigueur. Mais je saurais même pas dérouiller une boutique en fait. Voilà, je sais plus. Puis là, je suis full PV. Oh, le monstre bien dans l'entrée du truc. Ouais. Hop. Hop, on peut l'écraser, y'a pas de soucis. Alors, par où on va passer du coup? Est-ce qu'on va d'un coin à l'autre ou est-ce qu'on retourne dans la salle centrale? Dans la salle centrale, c'est peut-être plus court. C'est peut-être plus sûr, surtout. Ouais. Après, il y a peut-être moins d'ennemis de l'autre côté, je sais plus. Bon, il y a la salle avec les fantômes qu'il faudrait faire bien. Ouais. Si je peux récupérer quelques rubis. Ah. Vous ne passerez pas. Bloqué par un popcorn. J'ai regardé la fin de Wario. Oh. Ouais, j'ai vu ton commentaire d'ailleurs, faudrait que j'y réponde. Mais là, vu que j'avais le live à préparer. Ouais, c'était ça, là, le rhume. J'ai pas eu le temps de faire grand chose avant. Oh. J'aime bien, c'est que tu t'as encore le suspense alors que moi, oh, bah, c'est bon, je suis passé. Pas besoin de t'exciter comme ça. Vas-y. Ouais, c'est bon, je suis déjà deux salles plus loin. Le gars, t'sais. Non, je venais juste de. J'étais juste en train de franchir la porte. C'est bon, vous allez spammer. Tu balances tout dès le début. Ouais. On a tout donné. Non. Y'a personne. Ah, on s'en fout, il passera un jour ou l'autre. Mais il reste coincé là-bas, ce mob, déjà tout à l'heure. Allez, 5 flèches. Donc tu vois, en fait, il y avait pas mal d'exploration sur les côtés à gauche, mais finalement, il n'y a rien. Ou alors, on a passé à côté d'un gros secret, genre, fallait pousser un cube lambda. Ouais, mais ça pourrait être bizarre. Totalement random. Ah, pouce vert. Attaqué par des pouces verts. Mettez des likes si vous aimez. Oh là là. Pin. Il y a eu une merde avec Fanta aussi, j'ai vu là sur Twitter. Ah bon? Hein? J'ai pas suivi. Je sais pas, je pense qu'il y a eu une critique acerbe. Ah bon? Sur son compte. Je sais plus quelle est la configuration de la salle. Je crois qu'il y a une île au milieu. Ouais, je sais plus si c'est des bandes horizontales, ouais, c'est une zone centrale. Okay. Ah, et mince, tiens. Bon bah tant pis, on fera sans le pouvoir, même si ça semble. Au pire, on va faire une petite sauvegarde ici, je propose.
Pourquoi pas, ouais. Dans le doute, on va garder l'autre, on va full PV. D'ailleurs, j'aurais dû enregistrer tant que je restais full vie. Ça aurait été peut-être plus simple. Alors, forcément, ils sont tous réapparus. Non, faut pas que j'avance trop. Quoique, si j'avance trop, ça me permet de faire un gros coup, mais bon. Je prends des risques. En mode suicide, quoi. Ouais, ça y a pas moyen de mettre une bombe sur la mouche bleue pour que ça explose tout quand ils sont resserrés? Moi, je pense pas que ce soit aussi simple. Je peux essayer de voir déjà si ça pète des jaunes quand elles passeront, mais... Ouais, non, je pense pas. Moi, j'ai passé la moitié de ma vie déjà. En plus, ça... Le temps qu'elle s'éloigne et qu'elle se rapproche, c'est exactement le temps qu'il faut pour faire un tour, ce qui fait que si tu attends au même endroit, elles seront toujours à la même distance. Jusqu'à ce qu'elle décide de changer de cycle, si changement de cycle il y a, ça se trouve il n'y en a pas en fait. Je pourrais farmer tranquillement dans un coin, le problème c'est qu'elle avance. Le problème c'est qu'elle avance, donc du coup... ça rend la chose plus difficile à évaluer. Et j'ai plus de clés. Apparemment on peut rien pousser. Non, on dirait. Bon, on va aller en dessous, hein. Ils vont peut-être nous donner une clé. Ah, puis en plus, là, ouais, c'est fermé partout, quoi. Ouais. Et là, je sens bien le rocher, là. Là, c'est limite, faudrait recommencer le donjon et utiliser les clés aux bons endroits, quoi. Là en plus j'en ai dépensé inutilement des fois. Eh ben non, ça va pas bouger. Ah. Vous avez trouvé 5 clés. Oh, sérieux. Ok, c'est un fail. T'as pas poussé le rocher en bas gauche? Le rocher? Tout à l'heure, le rocher en haut à gauche, dans la salle juste d'avant. Ah, j'ai pas fait, peut-être. Non, je crois pas, ou alors je suis un peu fou. Je sais pas, peut-être. Bah, c'est possible. Non, bah non. Raté. Bon, bah, écoute, voilà. Hein. En fait, faut que je me prépare à reculer quand je le vois qu'il bouge vers la gauche. Mais là, le problème, c'est qu'il... Ouais, bah, de toute façon, il bouge vers la gauche. La portée est pas suffisante pour que... Ah! Mais voilà. C'était prévisible. Je sais pas laquelle on va charger du coup. Au pire, la toute première, t'étais full vie, puis on sait où faut aller quoi. Là, j'en étais où? Mais t'as pas de clé, c'est chiant. Ouais. Après, rien nous dit que c'est en haut, ça se trouve c'est en dessous. Est-ce que ça serait pas mieux de t'ouvrir? Mais le problème, c'est qu'une clé, je sais pas si ça coûte dans les genres 100 rubis, non? Bah, il me semble, ouais. Donc, si on en a qu'une seule et qu'on se retrouve rebloqué. Je vais tester autre chose. Alors faut que je ferme des rubis en off. T'avais pas une sauvegarde au début du donjon où t'étais full vie avec la si, si, clé? Si, si, si. Mais je voulais explorer de ce côté avant. Alors s'il y a moyen que je trouve un autre chemin, parce que ça se trouve lui ça sert à rien de le combattre. Waouh, 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 waouh. Oula. Ça en lâche vraiment pas souvent. Oula, mais j'y vais me dessus tout seul. Il y a une clé sur lui là. Ah bah non. Clé bombe, je suis pas contre. Ah, puis il continue à cracher alors que tout le monde est mort. Ah. J'y suis pas allé à gauche, je suis pas allé en bas non plus. Ah. Clé.
Alors elle va falloir bien réfléchir pour savoir où on la dépense. C'est ça, pour le nombre de fois que je me suis fait toucher, j'ai pas perdu tant que ça de vie. Oula. Celle-là, je pense qu'on va éviter. Ouais. Non, je pense que c'est plutôt une pour aller en haut à droite qu'il faudrait prendre. Ouais, celle qu'on avait vue en haut à droite, je pense qu'elle... Il y a des chances qu'elle soit intéressante. Mais je pense que les popcorns nous font pas perdre de vie, en fait. Il nous empêche juste d'utiliser notre arme. Parce que là, je me suis fait toucher 25 fois, j'ai pas perdu un seul cœur. Alors, à moins qu'il fasse un huitième de cœur. Je vais tenter une bombe à gauche. Non. Et en bas, il y aurait pas tellement d'intérêt. Puis de toute façon, on a déjà essayé de l'autre côté, donc il n'y a pas de raison que ça se pète que d'un sens. Que dans un sens. Sans interdit de la bombe. En bas, il y avait quoi déjà? Je vois qu'il y a une salle. Ah bah, il y avait tous les mobs avec la clé. Et c'était une porte qu'on pouvait prendre. Je crois, ouais. Ah ouais, bah on va prendre la porte. C'est moi passé. On peut tenter une bombe à droite aussi. Ah. Je combats plus, je cours. Ah. On va tenter une... Oh, pas belle, on va tenter deux bombes. Hop, je vais vous virer la souris. Ah oh, putain, il vient me toucher. C'est de la triche, ça. Ouais. Aïe. Oh. Okay. Oh là là, il t'enchaîne. Ok, en plus, il y a rien. Mais je suis sûr que ça se trouve si on les bute, il y a une clé à la clé. Si je puis dire. Il va te donner un pauvre cœur. Ah voilà. Bah, ouais, donc là, faut surtout pas charger la partie, on a eu deux clés. Au pire, on ira rechercher une fée. Hein. Enfin, la fontaine des fées. Ça, s'il y avait pu y avoir un raccourci à gauche, ça aurait pu être bien aussi. On va tester la porte tout en haut, je pense. Là, je pourrais limite aussi tenter de les tuer, hein, mais bon, en trois cœurs, ça va être tendu. Ouais. Ça sent le sapin. Oui. Et voilà. Bon, on va aller chercher une fée, je pense. Le problème, moi, c'est que le seul moyen de savoir si tuer tous les ennemis rapporte une clé, c'est eh ben, de... perdre 10 cœurs. Voilà. Donc, on va aller chercher pour cette fois. Peut-être même la dernière. Au pire, j'ai pas envie de me faire chier. Aïe, quel dommage. Oh, tu as perdu. On va rajouter une mort au compteur, je sais même pas combien on en est, mais encore. Ah, ça serait... Non, mais ça serait faussé par mon nombre de chargements. C'est surtout ça. Alors, par contre, faut que je retrouve comment on va à la fontaine des fées en partant d'ici. Moi, je pense que c'est à droite. Oh, ça doit être là. Si tu pouvais essayer de me trouver une boutique en même temps. Ah, c'est vrai qu'il y a une des téléporteurs. Boutique. Histoire de voir si on peut pas choper une clé en plus, quoi. Si elle coûte 100 au pire, on aura quand même assez de flèches pour le peu qu'on s'en sert. Alors, il y a un marchand où ça coûte 100, un marchand où ça coûte 80, et 80 c'est en H16. Bah, sinon le plus proche, hein, pour 20 rubis. Le plus proche. Bah, je sais pas où tu es en fait. Attends, je sors la map. Ça ira mieux. T'as pas les lettres. Carte. Moi j'essaie de rester sur cet écran. T'es où? Ouais, d'accord. T'es pas loin de la fontaine, de toute façon. Y en a une. Alors attends, B9, c'est quoi comme marchand? En B9, s'il vous plaît. B9. Oh, je me perds dans tout ce bordel. Moi, je suppose que c'est en haut à gauche, un peu B9. B7. Non. B7, c'est une clé à 100. Et tu es en... Alors, la fontaine des fées
elle est en up 10, donc 7 c'est à gauche, ok. En fait B7, c'est bien ça que j'ai dit, hein, ou B9. Ouais bah au pire là je suis presque au donjon là. en gros, c'est en haut à droite ou en haut à gauche de la zone de départ. Ah, bah là je suis vers le donjon en fait là. Chiotte. Non mais c'est pas grave. On va essayer d'avancer avec ces deux clés déjà. Bon, je suis pas trop. 15 H13. Je suis pas full vie, mais au moins j'ai le pouvoir. On va refaire une sauvegarde. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Il y a une clé en H13, sachant que le donjon est en H6. Elle est toute à droite, c'est vraiment trop loin. Il y a des murs. Bref. Bref. Au pire, si à force de faire des tentatives, on arrive aux 255 rubis. Ouais, ça. Et puis, il n'y a pas non plus 10 000 portes verrouillées, j'espère. Là, on va en faire une. 6-6. Oh, bah voilà. Ça aura pas tardé. Ça aura, oui. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Ah, cours, Astérix. Cours. Vas-y, gros spam de la mort. Je t'aime tellement. Fail. Refail, refail. Refail, allez. Karma fail. Chargement à chaque salle, quoi. Ouais. En plus, dis-toi qu'il n'y avait même pas ça à l'époque, quoi. À l'époque, il n'y avait pas les émulateurs. Ah, je l'ai fait sur GBA sans ces trucs-là. GG. Avec une soluce. Oui. Complètement. Complètement guidé. Mais forcément, quand tu les frappes, ça les fait pas, ça les repousse pas. Donc, faut vite courir dans l'autre sens. Chauve-souris. Du balai. J'arrive pas à prendre l'échelle. Enfin, l'escalier. Si on peut supposer que c'est... Ouais, je sais pas trop ce que c'est. Bon, en théorie, t'es censé prendre un escalier quand tu vas là-dedans. Certes. Donc jusqu'à il y a 5 minutes, j'aurais dû une échelle, mais en fait, non. Like. Ha! On va avoir 25 sauvegardes sur cette session. Alors, je sais plus quelle porte on doit prendre. Ça devait être sur un espèce de mini boss. Qui faut rester sur la grosse mamouche. Esquive. Ah, loupé. là, je crois. Je sais plus si on l'avait tué celle-là au final. Non, je crois que t'as foncé en bas. Ok. Voir s'il y avait moyen de la tuer définitivement, qu'on n'ait pas à l'esquiver à chaque fois. On va essayer de foncer. Puis on va attendre si jamais elle bouge sur la droite. Alors on va le passer sans perte de vie, peut-être. Nickel. Une astuce. Oh lol. Je fais ça pour ça. Va à la pièce d'à côté. Ok. La pièce d'à côté où? À droite. Ok. Merci. Ouais, je crois qu'on va se les faire par contre. Car. Ah. Oh.
Est-ce que c'est leur nom à eux? Des fantômes? Parce que je me demande, là tout à l'heure j'ai lu le truc pour la baguette magique et je pense que c'est pour eux. Ah oh, putain, ça serait bien en fait. Bon, je suppose que c'est un cube à pousser. Voilà. Premier coup. J'ai entendu alors que je n'ai pas le son coupé. Enfin, je veux dire, je l'ai imaginé. Non, moi je la sors même dans Darksiders 2. Quand je fais une énigme. Tu dois mourir. Il y en a qui l'ont pissé là. Non, faut que j'y faut que j'y Ok, donc on est en bas à gauche. C'est... Ah, attends, il parlait pas d'un crâne tout à l'heure? Si, les yeux du crâne. Parce que j'ai l'impression que ce donjon fait, ressemble légèrement à un crâne en pixel. Et c'était quoi en fait le... Il y avait une histoire avec les yeux. On va arriver à aller dans les yeux peut-être. Parce voilà, que l'œil, on en aurait un à gauche, j'ai l'impression en fait. Qui est accessible. Mais ça a pas l'air d'être la pièce où on avait dit qu'il fallait accéder par le bas. Quoique aussi, c'est peut-être elle en fait. Si. Finalement, tu vois la pièce où il y avait juste une plateforme en bas, c'est peut-être là qu'il faut aller. Il y a peut-être quelque chose qui va apparaître une fois qu'on y sera. Oh là là. Faudra retrouver l'astuce telle qu'elle est. L'astuce. Alors attends, du coup, là j'ai le choix entre en haut, en gauche et en bas. Peut-être parce que par le simple fait d'être là, ça va. Ah putain, en plus, faut que je. Faut que j'utilise une clé. Ouais. Moi je vote gauche. Et bah allez. Parti pour la gauche. Enfin je vote gauche, hein. Ça n'a rien à voir avec mes opinions politiques. Qu'on s'entende bien. Je vote Hollande. Une clé. Mais tu y crois, tiens. 5 rubis. J'utiliserais bien une bombe, mais j'en ai plus tant que ça. Garde-les si t'es bloqué. Oh, un escalier, tiens. Oh bah tiens. Ah bah voilà. Attends, il a la cote, hein. L'escalier serait tentant. On va essayer de monter, mais en passant éventuellement derrière le boss. Ah, lui, il est moins chiant, je crois, quand il tourne comme ça. Tant qu'il écarte pas ses mouches. Ok. T'es obligé de le tuer pour pouvoir pousser le bloc? Bah, je sens qu'il va me gêner en fait. Mais des fois, je crois qu'il y a des zones où t'es obligé de tuer tous les ennemis pour pouvoir pousser le bloc. C'est tendu en fait quand il va dans ta direction, tu peux pas les. C'est soit tu le tues, soit il te touche. Bizarrement, c'est souvent celui de gauche. Alors, où est-ce qu'on va cette fois? En fait, c'est une zone hyper ouverte, j'ai l'impression. Même si c'est fermé de partout, c'est très ouvert. Oh putain. On est loin, là. Je suis revenu à gauche. Ok. S'il y a moyen de choper une clé, moi je veux bien. Il va falloir poser une bombe quelque part, en plus, là. Non, mais ça se trouve, ceux qui vont la tenir. Hein. Ouais, mais ici, on n'est pas venu là pour une salle où t'as rien à... Non, mais une clé, ça m'irait bien, moi. Je suis pas con. Il te reste 4 bombes, tu mets des bombes partout. Ah ouais, en plus, ouais, j'ai pile le nombre, quoi. Après, je pourrais plus en réutiliser. Non, t'as fini de passer... Arrête de fuir, viens mourir. Bon, bah... Alors, pas à droite. Certes. Bah en fait faut suivre peut-être la forme du crâne simplement. Alors peut-être qu'en haut c'est possible qu'il n'y a rien, mais c'est peut-être un piège. Ça se trouve en fait c'est le seul... Bah en haut c'est peut-être justement... C'est le seul... comment dire... En fait c'est une salle vide où il n'y a rien quoi. Ok. Ah bah ouais, c'est l'exception du symbole. Il voulait nous faire voir c'est un crâne, il n'y a pas de pièce ici. Tu n'auras rien en allant de ce côté. Ah, faut encore tuer tout le monde. Oh putain, la fille.
Merci. Chop, chop, chop. Restez au milieu. N'empêche qu'on n'a pas eu la carte ou la boussole. Ah putain, je peux pas taper. Avec la carte, on va savoir à peu près où mettre les bombes. Oh, quoique. Alors, on va la mettre où cette bombe? Ah, mais ça se trouve, il y a l'équivalent à droite en fait. Je dis ça, mais. Putain, j'en ai 9, ça va. Ça se trouve, faut pousser un bloc. Peut-être. J'ai mes coups de pute. Ah, y'a rien. T'as plus qu'à pousser les blocs. J'ai testé de partout, ouais, je crois. C'est bizarre comme il s'est centré quand je suis allé sur celui-là. Non, en fait, non, c'était juste une impression. Elle est poussée dans tous les sens en plus. Peut-être celui du milieu à. Genre à droite, toi, il est bien au milieu. Ouais, tu vois, je passe dedans, je nage dedans, c'est la fête. J'ai pas perdu le moindre demi-cœur. En fait, ça enlève un dixième de cœur. En fait, c'est possible qu'il y ait vraiment rien, ça t'en enlève déjà un quart, donc tu peux pas. Une flèche, tout le bleu. Il faudrait que j'évite de me faire tuer par les chauves-souris quand même. Oula. Ah, je sais ce que c'est. Ah, je sais ce que c'est. Oui, c'est une flèche bleue, mais c'est des flèches d'argent. Ça fait quoi? Ça fait plus de dégâts, c'est tout? Ou ça peut toucher plus d'ennemis, peut-être? Je crois que t'avais pas le choix pour tuer le boss final. Ah. Comme dans les Zelda, où la flèche de lumière est obligatoire. Ok. Parce que c'est ça. maintenant, il faut aller au boss. Là, j'avais testé des bombes des quatre côtés. Ouais. Y compris à droite? Non, pas à droite. Est-ce que je teste à droite? Je pense pas. J'essaierai bien d'aller là, dans cette fameuse salle dans l'œil du crâne. Ouais. Comme c'est qu'on en est loin, on va explorer plutôt le reste, les environs d'ici. Là. Du like, ça peut passer. Non. Allez, une petite fée, faites la vos putes. Ah, au pire, ça peut-être ouvrir à gauche. Est-ce qu'on tente de pousser les blocs? Le gars est tellement désespéré, je veux une clé. La clé. Il y a moyen qu'il y ait une bombe à poser à gauche. Enfin, en même temps, il y avait un accès, je pense. J'aurais dû attendre de faire le tour d'abord. Là, il me reste qu'un cœur, par contre. Ressortir tant que j'ai pas éliminé tout le monde, tu vas voir qu'ils vont me forcer à utiliser une clé. Non, c'est bon, il rouvre. La question c'est, utilise-t-on la clé? J'ai bien envie de la garder pour cette salle quand même. Ça se trouve, c'est un trésor à la con, quoi. Ça qui fait chier. Enfin, il y avait aussi deux autres clés là-bas, quoi. Ouais. Non, par contre, faut retourner là-bas, quoi. Bon, allez, on va la tenter. Loli. Mais c'est qu'il y en avait deux empilés en plus des jaunes. T'sais. Bon bah, bonne chance, hein. Merci. Je crois que j'ai tué les deux d'un coup, malgré le fait. Ils étaient empilés, mais. C'était empilé, mais ça m'a permis de tuer les deux à la fois. Et ben voilà, il m'a eu. Il a pu prendre l'échelle, je crois. Je sais pas si on va chercher à. D'être une clé et des rubis.
Une clé de la vie. Tu lisais bien à droite? Ouais, mais il y a des murs, j'ai vu sur la carte. Enfin, il y a des tours. Tu vas plus vite à mourir. Voilà. Voilà. C'est fait. Ah! Il y a peut-être un magasin vers le début, non? Ouais, alors du coup, c'est... Où? B7, donc en haut à gauche de la zone de départ. Un en diagonale? Ouais. Ça devrait pouvoir. Et après, c'est caché, B7. Ah, il est caché dans un buisson ou je sais pas quoi comme ça, je vois pas dans ton truc. Ah bah non. Ça. Ouh le bois bizarre. Du. Genre t'as triché, t'as acheté la clé. Ok, donc si au besoin on peut en prendre d'autres tant qu'on veut. Ok, bon, puis on fermera les rubis. Si on est désespéré à ce point. Alors on va retrouver la fontaine. Je crois que si un prochain live il y a, parce que je pense que ça va être le cas, je ferai un gros farm de rubis, d'acheter tout le nombre de clés que je peux, genre une dizaine. Ouais, c'était sûr. À moins qu'il y ait un cheat code pour avoir des clés. Pas. Je sais même pas s'il y a des cheat codes dans ce genre de Zelda. C'était bien l'époque. C'est vrai. Et bim. Même pas. Ce qui s'est rangé. Je connais le thème de Zelda par cœur. Oh. En même temps, je l'ai écouté 200 fois. Et encore, je sais même pas si ça serait suffisant. Sauvegarde. On va tenter d'aller vers cette fameuse salle, et voilà, il fallait que je fasse des sauvegardes en 0-0. Maintenant elles vont être classées n'importe comment. J'ai envie d'aller voir cette salle, et du coup j'aurais dépensé 100 rubis pour voir ce qu'il y a là-dedans. Bon, de toute façon, tu sauvegardes avant d'utiliser au pire. Ouais. J'ai passé par ce côté du coup, je pense. Ok. Tu sauvegardes à chaque fois que tu prends une clé. Ouais. C'est bon, non, le viol n'est pas fini. Ok. Viol collectif! Ah non, juste un. Bah! Bon, on va passer de l'autre côté. C'est pénible. Mais je crois qu'on va pas prendre l'échelle, on va continuer le tour, je pense. Allez, on va farmer du rubis, ça fera toujours des clés. Je vous aime, mais il va falloir partir. Slalom. What? Où sommes-nous? Oui. Ah bah. On n'aura pas fait ça pour rien. Il me semblait qu'il y avait un passage ici, mais je vais peut-être délirer. Bon, bah, tant pis, on va prendre ça. On n'aura pas fait ça pour rien, on aura récupéré 4 bombes. J'en avais pas beaucoup. On va mettre en pratique ces nouvelles flèches. J'ai l'impression que ça change grand-chose pour eux. Ah, mais je crois que t'es obligé. Oh, il m'a touché. Pour le boss.
Du coup, vous gardez un petit peu de rubis. Ok. Bon, j'ai perdu un cœur, c'est dommage. Bah, en plus, j'avais même pas besoin des flèches pour le mettre dessus là. Alors, il va falloir que j'aille en bas à gauche. Tu l'as fini du coup, Pikmin 2 là? Là j'ai tourné, j'ai fini la grotte où j'étais, il me reste la dernière grotte, donc je pense 2 épisodes. D'accord. Ok, ok. J'y suis presque. T'as commandé... J'y galère. Ah, t'as commandé la Wii U du coup? Non, toujours pas. J'attendrai Pikmin 3 pour l'acheter. Donc. Ouais, parce que je crois que Pikmin 3 c'est 2013, mais j'ai pas de date plus précise en tête. Voilà, c'est censé être à début d'année, mais les autres jeux m'intéressent pas pour l'instant. Donc avec peut-être de la chance, ils feront un pack. Elle a été annoncée la date? Non, je crois qu'ils ont dit printemps 2013. Ok. Je vais faire une sauvegarde, je vois que je suis full vie. Ouais, c'est tellement rare pour le mentionner. Mais j'aimerais bien qu'ils fassent un pack. Ouais, c'est cette salle, je pense, qu'il faut aller. Ah ouais, tu crois? Mais c'est bizarre ce truc. Enfin, quel est l'intérêt d'aller là-dessus? Bah, je sais pas, apparemment le vieux, bon, il est pas à côté donc je vais pas y aller. Mais t'es où là? Sur la map, t'es pas dans les yeux quoi. Ah ouais, c'est à gauche. Fuck. Alors, à moins que ce soit entre les deux yeux. On va essayer d'avoir au pire, on va aller voir le vieux. De toute façon, tu sauvegardes avant donc. Ouais, on va faire une sauvegarde tout de suite. Ah ouais, on va aller voir la salle au pire. Puis on retournera voir ce que le vieux a dit, puis peut-être que. C'est vieux qui gâtouille, hein. Ça sera plus... Ah bah ouais, là j'y suis dans l'œil, en fait. Ah bah en fait, peut-être que tout simplement faut mettre une bombe en bas, mais on a peut-être déjà essayé, je vois qu'il y a un trou à gauche. On a peut-être trouvé un trou à gauche et qu'on est allé à gauche. Ouais, tu vois apparemment, hein. Et dalle. Ça va être difficile de pousser un bloc. Et là, pour le LOL, ils ont décidé de mettre la porte légèrement décentrée. Faut tester toutes les parcelles de mur. Ah, c'est pas là qu'il y avait un ennemi chiant là? C'était une mouche là. Donc ça les tue définitivement, c'est une bonne nouvelle. Waouh. Non, j'aime pas le snake. Ah bah ceux-là on l'avait tué pourtant. Ouais, mais eux, c'est pas des mouches. Enfoiré. Ah, ils sont vraiment trop rapides là. Oh bah nickel. Je vois pas comment c'est faisable pour en perdre deux vies. Ouais, il devait être à droite le vieux là, après ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Les yeux du crâne ont un secret. Bon, bah ouais, on a trouvé le premier secret. Enfin, je sais pas, non. En fait, pas vraiment. Bah, faudrait retourner en bas à gauche, mais je sais plus par où on est passé. Est-ce que l'escalier est pas tout en haut à droite ? Bah, si, oui, c'est ça. Attends, je vais te montrer, j'ai la souris là, celle que je pointe. Il y aurait pas un escalier qui conduirait genre là? Si, ça doit être ça. Bon, si c'est ça. On va retourner là-bas là. Parce qu'on avait fait demi-tour pour pouvoir ouvrir cette foutue porte à droite là. Du coup au final on l'a pas ouvert la fameuse porte. En fait là où il faut qu'on aille c'est... Bon certes si tu veux ouvrir celle-là, mais je crois qu'il y avait un hall avec 3 portes à fermer vu qu'on est allé à gauche. Ouais. Juste après l'escalier, justement, d'ailleurs. Ça compléterait le crâne, à la rigueur. Mais ça m'intrigue toujours, cette salle-là. Ouais, j'avoue. Mais ça se trouve, elle sert à rien. En plus, elle est pas dans le crâne, donc ça... Ça réduit mes soupçons. Le coffre, la lumière. Oh, t'en as relancé 2 là où je rêve. Ouais, genre, tout à fait. Ah, attends, est-ce qu'on a essayé là? Si c'est symétrique. Puis il a dit les yeux du crâne. Vas-y. Ok. Bon, c'est peut-être le bas de l'œil à ce moment là. C'est peut-être un clin d'œil. Hein. Ou c'est peut-être juste un œil. Ouais. Non, vous m'aurez pas
revivre. Bon, vous mourrez vivant. Okay. Vous mourrez vivant. Non, vous mourrez pas, voilà. Ça, ça se trouve, il peut me tuer, le salaud. Ah, je peux pas utiliser mon épée d'ici. On l'avait pas tué, lui, du coup. Non, on a tout le temps esquivé. Bah, vu qu'on peut les tuer définitivement. Quoique, si, on l'avait peut-être tué, parce qu'il me semble qu'on avait poussé ses blocs. Ouais, mais après, est-ce qu'on avait sauvegardé? Enfin, est-ce qu'on avait pas chargé? Je sais pas. C'est de la merde. Ouais, c'est de la mouche à merde. Exact. Bon, au pire, il sera tué. Hein. J'en tue deux en un coup. Là, je peux pas le toucher tant qu'il a ses mouches autour, quoi. C'est bizarre, il veut pas me les repousser ce coup-ci. Il accepte la mort. Allez, on va faire une sauvegarde, mais qu'on va pas écraser. 13. Quelle heure qu'il est? 10h06, ok. Ok, ok. Oui. Bon, c'est bien qu'on doit progresser en allant là-bas, je pense. Ah, je crois qu'il va y avoir des ennemis chiants. Oui. Ah ah. Tu sais, j'ai pas testé mes flèches contre eux. Ok. Insensible. Je suis en train de perdre toute ma vie. Ouais. Youhou! Hop. On va tester les portes. Alors en haut ou en bas? On va tester en haut. Allez. Une mouche. Oula. Ok. Oh la vache. Ce côté ne m'inspire pas. Peut-être mettre des bombes encore. Ah, c'est con, j'avais... Ah bah, voilà. Je veux dire, j'avais récupéré un cœur. Ah bah, j'en ai deux. Bon bah, faut re-sauvegarder, là. Ouais, ça évitera de les tuer à chaque fois. Puis là, moi, d'avoir de la chance d'avoir trois cœurs. Allez, manipulation de la chance. C'est ça. Cette run tout court de Zelda a été fait avec 20 000 records. Ah, j'ai plus de clé. J'ai plus de vie. Ah, tu devrais peut-être essayer de retourner en haut et de mettre une bombe à ce moment-là. Je veux bien tenter de tous les tuer. Avant. Bon, en même temps, en haut aussi. On va voir si je loot une clé. Bon, là, j'ai pas perdu de vie. J'ai juste été incapacité. Ah ah! Là, je crois que je suis passé à travers le cube. Fail. Faudrait que j'essaye d'arriver là avec plus de vie en fait. Que les trous, ça va recharger la salle. Ouais. Ah, je pouvais pas taper. Et mince. En fait, j'ai l'impression que c'est uniquement après leur TP qu'ils tentent de balancer un sort, on va dire. Un truc. Et qu'une fois qu'ils l'ont lancé ou
enfin, une fois qu'ils l'ont lancé, ils en relancent pas. Le problème, c'est que des fois, le TP, ça peut être sur une case et ça donne l'impression qu'il sait pas de TP. Voilà, j'ai pas mon arme. Je sais pas ce qui m'a touché là, ça doit être le fantôme, pour que je perde de la vie. Oh c'est hyper tendu. Ouh, j'ai failli me faire avoir là. Bah ok. Ah oh, mince. Ah. Oh. Monsieur. Bon, on va essayer de mettre des bombes en haut. Waouh, 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 ça fait des drôles de bruit là. Laissez-moi passer. Non, laissez-moi. Non. Une astuce. Patras à la carte. Et patatras. C'est ça. On pose des bombes. À gauche. Ouais. Et qui patras? C'est pour le lol. Ah, tu peux recharger le truc du coup. Ah non, on a passé à droite. Okay. Bah à droite, c'est d'où je viens. Ah, à droite, poser une bombe quand t'étais en haut. Si, j'en ai posé une, je crois, avant d'y aller. Ah ouais. Ah oui, si, t'as raison. Non, en fait, y a pas d'intérêt à clean cette salle puisqu'il faut dépenser une clé pour la cleaner. Oui, je me comprends. Genre, je vais nettoyer la salle avec la clé pour avoir une clé. Sauf qu'il y a pas de porte. Ouais, il faut espérer qu'il lâche une clé, eux, hein. Non. Ah bah non, là je vais pas prendre le papier, là c'est l'email là. Il y avait les deux autres sur les côtés, laisse tomber quoi. Et il veut rester collé à la porte maintenant, il veut pas s'en sortir. Ah, il veut plus partir. Juste à temps. C'est bien que j'élimine les deux oranges avant de me faire les bleus au milieu du popcorn. Oh, j'ai pas pu taper. Oh, j'y étais trop loin. Oh putain. Oh putain. Ça devient galère. C'est trop la galère. Ah et voilà, je sors. De toute façon, si je sortais pas, je me faisais toucher, donc ça revient au même. Oh, dans le dos en plus. Traître. Enfin, lâche du moins. Non, lâche. Lâche-moi. Oh, j'ai pas pu monter. Essayez de leur balancer des flèches sur eux. Ouais, ouais, je vais essayer tout à l'heure. Ouh. Les mince. Oui. Bon, de toute façon, en bas, je pense pas qu'il y ait plus de salles. C'est un chiap, sérieux. Ah là là. C'est bon, j'ai pas pris de dégâts. Non. Putain, ils sont trop près là. Ils sont trop près, ils vont finir par rentrer. J'ai peur quand t'es tout près de la sortie comme ça. Chaque fois je crois que ça va charger la... Ouais. La salle. T'inquiète pas, ça me fait peur aussi. Oh,
Oui, c'est la bonne là. Ou un cœur. Lâche une clé, lui. Oui. Sauvegarde, même s'il n'y a pas eu de grand changement. Parce que là, je suis pas mieux avancé, je peux pas ouvrir la porte. Eh bien non. Peut-être pousser un bloc. On a eu une clé en poussant un bloc une fois ? Non, mais en fait, non, on a eu juste des escaliers, ouais. Ouais. Le problème, c'est que des fois, faut pousser le bloc que dans un sens pour que ça marche. Sinon, c'est pas marrant. Bah non. J'ai que 59 rubis en plus. Ça fait. J'avais commencé à 21h, c'est ça ? À peu près, ouais. Ouais. De toute façon, je pense que je vais arrêter à 10h30. Comme ça fera une vidéo de moins de 2h. Et je pense que je fermerai un peu des rubis. Et je vais en mettre à full vie pour avoir plein de clés. Bon, je pense qu'on va faire là, c'est qu'on va explorer un petit peu. Puis essayer de tuer tous les ennemis d'une salle. Pour avoir des clés. Il y avait des salles à explorer encore là, ouais, peut-être en bas. On a essayé les bombes ici. Non. Je crois qu'on en avait pas beaucoup et que j'osais pas essayer. Peut-être. Dommage. J'en aurais encore moins beaucoup. L'escalier, on l'avait pris. Ouais, c'était pour la flèche. C'était celui-là, c'était pas plus haut. Je crois que c'est celui-là. Oh bah tiens. Ça m'étonne. Un autre escalier. Je vais faire une petite sauvegarde quand même là. C'est Zelda, elle est au fond de l'escalier. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas d'ennemis en fait. Ouais, c'est bizarre. C'est louche. Vous avez trouvé le boss final. Hein. Top, voilà, on va atterrir où là. Vous revenez au début. Vous revenez dans l'œil du crâne. Donc il y a une nouvelle salle en bas. Ah bah c'est la clé. Ah oh, oui. C'est là. Ah rien, cette salle alors. Ça retourne là-bas. Sérieux. Oh non. C'est pour ça qu'on s'est fait chier. Ouais. Youpi. Youpi. Du coup bah on sait à peu près où faut se rendre du coup. J'ai envie de tester à gauche. À droite. On peut se rendre à un endroit. En bas je pense qu'il n'y a pas de salle et en haut on connaît. Où ça? Bah du coup pour revenir. Sur le côté gauche? Ouais. Genre, ah là il y a une salle qu'on n'a pas explorée, ici. C'est ça, ouais, je pense que c'est ça. Ok, on va essayer de faire ça. Je sais pas ce qui nous bloquait le passage, par contre, peut-être une clé. Là, il y a vraiment des portes qui servent à rien, en fait. Bah ouais, c'est chiant. C'est fait exprès pour te faire dépenser des clés, en fait. J'ai même envie de revenir sur une sauvegarde précédente. Bah, tu peux parce qu'on a ouvert une... on a utilisé une clé pour rien parce qu'il y avait un indice et de la merde. Ouais. Je vais garder celle-là quand même. Et non, l'autre. Alors, je sais pas, peut-être le 14, non. T'as bougé un peu la fenêtre. Ouais, j'ai vu. Ah, ça l'a bougé dans le mauvais sens. Hop, ouais, comme ça c'est, c'est bon. Donc là j'ai une clé, donc c'est bon. Voilà, donc là faut aller à gauche. Par contre j'ai pas beaucoup de vie, c'est là le problème. Oh mais je te dis, on est à la fin. Je le sens bien. Je me fais toucher par une chauve-souris. Ah bon, encore ça fait pas perdre trop de vie. Mais je vais juste voir ce qu'il y a déjà avant de commencer à partir dans les chargements intempestifs. Ah, on n'était pas du tout allé en fait, je crois. On a ouvert la porte avec les lag, puis on est allé direct à la porte ouverte, quoi. Ouais, on n'est pas allé en haut là. Ça, on a même pas dû regarder ce qu'il y avait. Ou alors c'était ouais. Des fantômes. Ah non, on n'a pas trouvé la salle. Bah non, on n'est pas allé en haut. Ouais. On l'a pas révélé sur la carte. Go!
Ah, je crois que j'entends le boss, non? Quand t'as des grands bruits comme ça, genre, genre c'est qu'il y a un boss sur la salle d'à côté. Ah. Et ben, on va sur le boss avec 2 coeurs et demi. Vas-y, on passe. Ah, mais si c'est le cas, au pire, on refera une recharge de vie. Mais en fait, au final, il n'aura pas été si compliqué que ça. Hein. C'est juste qu'il faut gérer son nombre de clés, quoi. Faut juste être pété de thunes ou avoir de la chance, quoi. Ou bien réfléchir, parce que le sac, je pensais peut-être baisser. Le sachant, j'aurais peut-être pas. Je serais peut-être pas allé de partout comme ça. Alors attends, est-ce qu'elle est ouverte la porte au moins, parce que je me fasse pas. Oui, on voit le carreau sur le truc. Ok. Il y aurait peut-être une salle à droite. Imagine une fontaine d'effets, le gars. Ouais, c'est limite le timing hein, pour y aller. Bon, on va y aller. Ah bah, du coup, il me reste une clé. Il a une gigamouche. Epic boss. Oh putain, non. Ah, donc non, c'était une salle soit à gauche, soit à droite, le boss. À gauche, du coup. Ah. le boss est peut-être là. Mais bah, t'as posé une bombe à droite. Ouais, j'ai posé une bombe à droite, mais ça se trouve, c'est genre par le bas, quoi. Par le haut qu'il faut aller, ou par la droite. Il y a plein de salles, là, qu'on a peut-être pas exploré. Ouais, mais tu poses une bombe à gauche. Ah, là? Ouais. Bon, on a déjà trouvé. Faut recharger, du coup. Dans la salle juste en dessous de toi. Ah, d'accord, ok. Je pensais que tu disais dans cette salle, en fait. Non, on l'avait déjà fait ici, je crois. C'est peut-être toujours la fameuse salle dans le... à côté de l'œil. Aïe, cette fois, bon bah y'a rien. Alors c'est où? Pour revenir encore en arrière? Non, je suis trop revenu en arrière là. Ce serait bête de couper si on est presque à la fin. Il va y avoir un escalier qui part. Hein. Mais cette salle au-dessus, on l'avait pas encore explorée. Celle-ci. Ah bah oui, celle-là j'ai tracé. Ah oui, c'est celle-là de salle que tu me disais de mettre une bombe à gauche. Ah oui, bien sûr, voilà. On est passé tellement vite qu'on avait oublié. Ouais, quoi. Ouais, d'accord. Mais bon, donc faut que j'essaye de me les faire avec le peu de cœur que j'ai, quoi. C'est-à-dire que moi, tout à l'heure. Mets une bombe vite fait, de toute façon. Je vais mettre la bombe, ça. Oh, ah d'accord. Oh putain, il y avait un arrêt du temps en plus. Il y avait un arrêt du temps là, ouais. J'aurais pu tout nettoyer tranquille. Donc là, bombe à gauche. Vache. Ouais. Oh putain. Laissez-moi. bon. On l'avait exploré cette salle, non? Je pense pas en fait. Non, 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 c'est une nouvelle salle ça. C'est une nouvelle salle. Et il y avait quoi? Il y avait un escalier, j'ai même pas fait. Il y avait des blocs. Il y avait des blocs peut-être à pousser, ouais. Ouais, donc faut encore tuer tout le monde quoi. La 18 fois c'est bon. Faut arriver à passer en fait sans se retoucher. Ouais, ah faut que je repose la bombe du coup. Oh mince. Putain, avec 2 cœurs, ça va être tendu. Hein. Ouais. Bonne chance. Encore que... Ouais, oui, il fallait encore oublier de bouger. Là. Au pire, on va le tenter. Hein. Non, je pense qu'on peut pas. Hein. J'ai dû me faire toucher par 4 mobs en même temps. Hein. Heureusement, les pics, ça fait que un demi. Moi, j'ai strictement rien fait, là. Ouais, mais au moins, on sait qu'on peut pas pousser. Hein. Tant que c'est pas mort. Oh putain. Oh, je... Alors ça. J'ai entendu l'écho de mon oh putain. Mais par contre les trucs elles vont bouger. Ouais, ok. Ah bah attends. Ah ouais mais ouais elles bougent pas suffisamment quoi. Oh c'est passé non? C'est un rubis? Oui c'est un rubis c'est bon. Ils lancent pas de sort quand ils sont à l'arrache je suppose. On dit non. Ce serait dommage. Merci. Yeah. Oh yeah.
Achat une sauvegarde. Avec un pauvre cœur. On est pense... où là? Bah dans un ah ouais, on est dans une boîte. Souterrain qui va peut-être nous amener ici quoi. Ou genre là et puis il faudra faire paf paf paf. Et nous faire le plus de chemin possible. Le secret dans l'œil c'est le boss. Ok. Non c'est un boss secret qui n'est pas du tout obligatoire. Et tu gagnes? Que dalle. L'honneur de l'avoir... Oula. Oh, ah bah non, je suis tout en haut. Alors, à tous les coups, il y a un escalier à gauche et qui va nous ramener dans l'œil ou encore faire toutes les dents du crâne. Ok. Bon, voilà, faut mettre des bombes. De toute façon, l'escalier, c'est d'où je viens. Même si je suis pas dedans. Hein. Ouais, allez. Spam de bombes sans mourir. Au pire, on aura débloqué l'accès. C'est horrible. C'est hardcore là. C'est clair. On se croirait sur Wario en super. Pourquoi se faire chier à acheter Dark Souls, sérieux? Pourquoi jouer à Spelunky quand on peut jouer à Zelda? Voilà. Oh, pff. Donc d'entrée, si tu bouges pas, tu te fais... Ok, même si tu bouges. Ouais. Qui sont gentils. Oh, ah bah oui, à gauche, j'avais dit en plus, faut que je teste à gauche direct. Ouais. Faut que je me fasse chier à tout tester, surtout qu'à gauche, enfin dans les autres... En haut, on peut pas y avoir de place parce que c'est la limite du donjon. Ok. En bas, il y a déjà une pièce qu'on a explorée, et à droite aussi. On est bien, parce qu'on va y aller, on va trouver le boss, on aura un pauvre cœur. Ouais, même pas, on va se retrouver avec un demi-cœur, parce qu'on va se faire toucher par un shuriken. On lui donner un coup de pied, oui. Attends, heureusement que quand il n'y a pas de shuriken, il se dit pas « bon, bah, je vais jusqu'à ce que je touche un mur ». Il s'arrête gentiment au milieu. Oh, je respire dessus, quoi. Oh là là. Je pense que ce serait plus rapide de faire un tool assisted speedrun. Sûrement. Mais là t'es en train de faire spawn kill quoi. C'est clair. Ok, je me fais tuer par le deuxième du coup. Vas-y, ça passe, ça passe. Non. Oh. Sérieux, t'as pas un save point quoi. Sérieux, ils sont pas sérieux. Je vais finir par faire une sauvegarde dès que tu seras à la moitié de la salle. Ouais, c'est clair, je crois que je vais faire ça. Si j'arrive à me retrouver à la moitié gauche, je fais une sauvegarde. Ah ah. Et voilà, je m'y attendais. En fait, faut que je les déclenche tout de suite. Non, pas trop tout de suite non plus. Faut quand même que je me laisse le temps de vivre un peu. Non, j'ai pas assez attendu. En plus, il y avait le bleu en dessous qui me faisait flipper, quoi. Oh putain. Je crois qu'on va arrêter les frais. J'arrive plus à passer. On va faire maintenant au quart de la salle. Case par case. Case par case, ouais, bah voilà. Ah bah merde. Oui, oui, ça passe à travers les murs, au cas où tu l'aurais pas encore compris. C'est pire que du MGS, là. Le champ de vision de l'ennemi, c'est une case, mais faut pas y aller dedans quand même. Ok. Ça, c'était le TP du ghost.
C'est instantané, tu sais, il fait son virage à 80 degrés. Boum. Ok. Bon. est-ce qu'il y a besoin de revenir à la 21 à la rigueur? Bah en fait non, pour revenir au début du donjon, il suffit que je me fasse buter, ça en théorie je devrais y arriver. C'est là que tu passes. Ouais, je mettais plein de dégâts, j'ai dit tu vas voir, je vais passer maintenant. Épique. Bon, je crois qu'on va... Ouais, on va arrêter là. Mais on a la route là, c'est bon. Je vais aller me chercher... une clé. Non. Je vais aller me chercher de la santé. Je m'en mettrai éventuellement devant le donjon. Éventuellement, je ferai l'accès jusqu'au boss en off. Comme ça, en live, on fera juste le boss. Si possible, avec tous les cœurs. Il faudra que j'essaye d'accéder au truc avec tous les cœurs, ou genre quasiment tous. Ouais, voilà. Un petit peu plus que deux. Ouais. Bah si j'arrive avec tous, ça sera encore mieux, comme ça, ça me facilitera peut-être la vie pour le boss, sauf si on peut pas le toucher à distance, pour une raison ou une autre. Ou je le ferai peut-être en épisode non live, hein. Tant qu'à faire. Comme ça, je pourrais monter ce que je veux. Voilà, bon, on va essayer d'aller full PV jusqu'au donjon. Enregistrement 22. Oh non, mais sans save state là. Je vais regarder sur Speed Demo Archive. Je vais regarder à combien de temps est le speed, le tool assisted speedrun et. Ouais, parce qu'il peut le faire en 20 secondes. Et surtout le nombre de re-records. Ah, tu crois qu'il y a une. Je pense. Une faille de mémoire Ah, ça m'étonnerait pas sur ce jeu. J'essaie déjà de récupérer mon micro. Genre il rentre, il rentre dans la grotte et finalement il rentre dans la dernière salle. Oh, une épée en bois, c'est dangereux dehors. J'ai choisi. Mais prends cette triforce aussi. J'ai choisi Zelda en pseudo. Et du coup j'accède directement au boss. Je vois directement la cinématique. Bah tu sais que tu peux prendre Zelda en pseudo. Ouais, je sais plus ça fait quoi dans celui-là. Ça te met directement en 4-2, ou en mode difficile entre guillemets. Okay. Là, quand t'auras terminé, ça te mettra la quête 2, donc tu as le droit de recommencer. Ouais, on va s'en passer. Avec des nouveaux donjons. Encore plus chiant. Des nouveaux emplacements. Bon, il faut que je récupère un cœur. Ou que je me retape tout le trajet. Ok. Ah bah tiens, des bombes. Il faut que je récupère deux cœurs. Ou que je me retape le trajet. Un col pour coco. Oh, il m'en faut deux maintenant. Oh, c'est pété ça. C'est tentant. Ça s'utilise quand tu veux ça. Ouais. Et ça leur donne combien? Bah je pense que la bleue donne la moitié, la rouge tout. Ah, moi je pensais que bleu ça serait plus genre un truc magique, même s'il n'y a pas de barre de magie. Faudrait voir ce que c'est. Mais bah, on va aller chercher 5 rubis, on va prendre la rouge. Wouah, mon dieu. Ils ont tiré tous en même temps, l'émulateur a pas supporté. Parce que tu vois, au pire, je me fais le début du donjon en perdant quelques cœurs et j'utilise la potion juste avant le boss, quoi. Ouais. Donc au pire, je me retape le trajet. Et sur le trajet, je vais essayer de me faire les rubis qui me manquent. Comme ça, si on arrive au donjon avec un ou deux cœurs manquants, ça passera. On va faire comme ça. Ouh là, j'ai le casque qui se casse la gueule. Hop là. Et on est à 22h35, donc j'ai encore un peu de temps. Au pire, je ferai la conclusion pour la vidéo YouTube. Enfin, pour la rediff, quoi. Parce que là, c'est pas nécessairement important de voir la fin de cet épisode.
Donc ça va être juste du farm de... De 68, c'était qu'il fallait ? Ouais. Bizarrement, ils m'en lootent plus un seul. Un cœur, trop bien. C'est vite tout à l'heure que tu veux. Ouais. Oh, une fée. Ils veulent plus me donner un seul rubis. Je vais dire, ils veulent plus me donner un seul pocos. What? Crossover. C'est ça. J'en ai plein de pocos. Et t'arrives à combien au final là? Là, je crois que j'étais à 21 600. Parce que là où j'en suis, tu dois être à 14 000. Mais c'est du scoring, quoi, après. Ouais. Et du coup, tu peux toujours ramener des ennemis pour faire du fric, moi je le fais. Ouais, pas, ouais, tu peux atteindre la... Limite, tu peux atteindre une infinité de pocos. Ouais, ouais. C'est long, à coup de 1, 5. Ouais, c'est sûr. C'était 68, ouais. Ouais. Tu vois, inflation. 69, quoi. Bon, tu parles de l'inflation, déjà que tu... On me paye en rubis, donc ça va. Bah, la crise, d'abord. C'est une limite inflation de 2%, tu sais. D'ailleurs, pourquoi 68, quoi, le chiffre au random, comme ça? Allez, si on retourne au donjon, puis j'arrête là. Enfin, non. On retourne au donjon, j'achète la potion et on arrête là. Tu. Oh putain. Ça commence mal. Donnez-moi un cœur. Hop. Oh, je reste immobile en pensant que mon bouclier va parer. Bon, faudrait que je trouve un cœur là pendant qu'ils sont pas trop puissants les ennemis. Ok. Oh merci. C'est trop bon. C'était pratique. Oh c'est bon, j'ai mon cœur, je me casse. Casse. De sauvegarde. Regarde, non, mais pour se prendre encore moins les cailloux. Hop. Ouais, en fait, non. Ah, oh, quoique. Ça marche pas. Hop. Pendant la transition, donc, à faire. Hein. Vas-y, démarre, charge ma sauvegarde en pleine transition. Ça te fera les pieds. Hop. T'as pas acheté ta potion ? Je sais, mais je sauvegarde pendant que je suis en sécurité. Attention, attention, bug ! Ah non, ils n'ont pas lancé en même temps ce coup-ci. 68. En fait, ça soigne instantanément. Putain, grosse connerie, ça. Par contre, j'aurais plus de flèches. T'en as 7. Il y avait pas un truc ici avant? Ah, il y avait un parchemin. Ok, bon. Ouais, non, c'est ça. Ah, mais je crois que le parchemin débloque ces vendeurs-là. Je crois que si tu retournes, elle sera plus là. Ah. Peut-être qu'il faut retrouver le parchemin, ou quand tu utilises ta potion, tu récupères le parchemin, peut-être. Possible. Bon, bah voilà. On essaiera de se faire des rubis en chemin, et voilà. Au pire, on refera un aller-retour à la fontaine si on n'a pas assez de flèches. Et d'ici là, on aura eu des rubis. Bon, bah voilà. On est prêt à affronter le boss final pour la prochaine session.
du coup. Ah, attends, je suis en train de lire les objets. Donc les potions, là, c'est de l'eau de vie. Ouais. Ça sert à remplir tous les cœurs quand tu le désires. Et l'eau de vie rouge peut servir deux fois. Ah, celle que j'ai là, elle sert deux fois. Ouais. Alors que la bleue soigne entièrement une seule fois. Voilà. D'accord, bon, bah, c'est intéressant, ça. Très bien. C'était un objet que j'étais censé utiliser peut-être depuis le début. C'est ça. Mais c'est pas grave. On est des costauds, ou pas. Bon, bah, si tu n'as rien ajouté, on va se quitter, je pense. Ok, bah, j'ai rien à rajouter. Tout ok. Donc, et bien, en tout cas, merci de ne pas avoir regardé le live, hein, vu qu'il n'y avait personne. Le gars déprimé. Enfin, en même temps, c'était pas prévu, c'était surtout pour avancer dans le jeu et vous le proposer sur YouTube pour ceux qui le suivaient malgré tout et qui n'étaient pas disponibles ou qui n'avaient pas eu la nouvelle, hein, parce que c'est un peu décidé au dernier moment après une grande absence en live. Donc, n'hésitez pas à commenter cette rediffusion, à mettre un petit pouce vert, à partager et. I like. Et à visiter aussi la chaîne de Super Brioche qui est en passe de finir Pikmin 2 et qui est en plein Final Fantasy X, si je dis pas de conneries. Exactement ça. Quelque chose de prévu après Pikmin 2? On attend Pikmin 3 ou une autre série coup, bah, en... Je vais faire patienter. Un peu le challenge de Pikmin 2. D'accord. Probablement en live d'ailleurs. Ok. Et peut-être, si vraiment Pikmin 3 tarde, Luigi's Mansion. Ok, ah ben ça pourrait m'intéresser vu que j'ai jamais joué, j'ai vu vite fait des vidéos de gameplay, mais vraiment vite fait. En gros, pas plus de 10 secondes de gameplay continu, on va dire. Genre une pub quoi, vous ne connaissez pas. Ouais, je vois. Donc voilà, bon, je regarderai peut-être du coup, mais il faudrait que je me remette un peu à Pikmin aussi, et que je rattrape mon grand retard. Ben voilà. Et bah du coup, on a à peu près tout dit, donc nous vous souhaitons une bonne soirée ou une bonne journée, selon. Voilà. Ouais. Allez, à très bientôt. À plus.